Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'aurez compris dans le titre et dans l'intro, aujourd'hui on va parler conditions physiques. Est-ce qu'il faut avoir un corps musclé? Est-ce qu'il faut avoir un corps fort, puissant pour survivre dans la nature à une ascension très longue, ou même si vous êtes perdu sur une île déserte et que vous devez survivre dans la forêt, dans la jungle, est-ce qu'il faut avoir une condition physique béton pour pouvoir s'en sortir? Avant toute chose, je tenais à vous dire que je ne suis pas un professionnel dans ce qui est sportif ou ce qui est métabolisme et tout ça. Je me suis rapproché des professionnels dans ce milieu-là. J'ai une amie nutritionniste qui m'en a parlé un petit peu. Et comme j'ai passé un BPJEPS pour être coach sportif, j'ai des contacts dans ce milieu-là qui m'ont aussi parlé de 2-3 choses fondamentales. Après, je me réfère aussi à l'armée, aux conditions physiques qu'on avait quand on était sur le terrain, quand on était en entraînement, quand on faisait des parcours d'obstacles, quand on faisait des stages commando. Et que c'était très très difficile. Je me réfère aussi à ce qu'on avait, le type de gabarit, le type de potentiel qu'on avait, et voir si c'était en adéquation avec une survie. Donc voilà, en gros, c'est mon avis, c'est ce que moi j'ai vu de mon parcours et avec les conseils qu'on m'a donnés. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez des choses à dire sur la condition physique, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir si c'est constructif, et si c'est juste de la critique, ça dégage. Je les lis même pas. Donc venons au vif du sujet, dans la nature, enfin en temps de survie, dans la forêt, est-ce qu'il faut avoir une condition physique? Déjà dans ce milieu-là, il y a plusieurs écoles. Alors déjà, il y a les gens un peu en surpoids que j'entends dire « Moi, de toute façon, j'ai des réserves, si jamais je suis dans la nature, j'aurai de quoi tenir pendant un bon moment avec le bidon que j'ai. » Il y a l'école de ceux qui sont gringalés et qui se disent « Alors moi, je vais crever au bout de 2 jours parce que j'ai pas un pet de muscle, j'ai pas un pet de gras, donc je vais crever très vite. » Et il y a aussi ceux-là qui sont très très musclés, qui se prennent un peu pour Rambo, avec un gabarit super athlétique, super musclé, massif, et qui disent qu'eux, ils peuvent aller en forêt, ils vont soulever tout, ils vont fabriquer tout, il n'y a aucun problème pour eux, c'est des machines de guerre. Alors déjà, avant toute chose, ce qu'il faut vraiment que vous mettez dans le crâne, c'est que dans la nature, c'est pas comme dans les films. Les Rambo et les Schwarzenegger et tous les films que vous avez vus avec les mecs super baraques dans les films, qui survivent à tout et n'importe quoi dans la jungle, ça n'existe pas. Dans la jungle, même si tu as 200 kg de muscles, tu te fais mordre par une araignée, t'es mort. Tu te fais mordre par un serpent, tu peux en mourir. Tu choisis les mauvaises plantes, tu crèves. Tu t'orientes mal et tu te fais charger par un ours, par une panthère, quoi que ce soit, tu peux avoir le meilleur couteau que tu veux, t'y passes. Donc moi, je vais partir sur ces 3 types de personnes et je vais faire un petit compte-rendu en vous disant vraiment quel type de morphologie, de physique peut tenir dans la nature. Donc déjà pour les gens qui sont un peu en surpoids et qui disent que eux, s'ils mangent pas, c'est pas grave parce qu'ils ont des réserves, vous allez avoir des surprises parce qu'en fait, pour faire bref, si vous avez un gabarit gras, gros, non seulement vous allez être plus lourd, donc vous allez brûler beaucoup plus d'énergie, ce qui va vous demander un plus gros apport en glucides, en protéines et tout ça, mais en plus, vous avez un métabolisme habitué à ce confort de vie, à cette alimentation. Donc si vous mangez beaucoup, votre métabolisme, il a enregistré cette période d'assimilation des énergies et des aliments. Donc forcément, si vous lui faites une casse directe, vous allez être beaucoup plus touché qu'une personne fine sur le manque d'alimentation. Donc pour faire simple, si vous avez une habitude à manger beaucoup et avoir bonne charge pondérale, quand vous allez être dans la nature et que vous allez passer beaucoup de temps sans manger, votre corps, il va vous mettre une grosse gifle dans la gueule. Il va vous dire, mec, j'ai pas ma ration du jour, j'ai pas mes 3000 calories, et en plus, il faut que je déplace une charge assez lourde, et tu me laisses comme ça sans énergie. Donc là, il va vous dire juste, stop, arrête-toi, assieds-toi, et laisse-toi mourir. C'est pour ça qu'après le mental, ça doit être du bois. Parce que lorsque vous êtes privé de nourriture et que vous avez l'habitude de manger, si vous n'avez pas le mental qu'il faut, vous allez vous laisser tomber par terre et vous allez servir de nourriture pour les animaux. Donc trop de poids, ça peut être désastreux pour vous. Vous pouvez avoir beaucoup de mal. Et si vous n'avez pas le mental qu'il faut, ça peut être juste terminé pour vous. Ensuite, pour les gabarits plus fins, donc les gringalets, un peu comme moi, je suis assez fin. Bon, j'ai quand même pris un peu de muscle depuis quelques années à force de crapahuter de la nature. Pour les gabarits les plus fins, malheureusement, s'il n'a pas de muscle, s'il n'a pas un minimum de muscle un peu taillé,
il va avoir du mal à faire des efforts physiques, il va avoir du mal à faire des charges lourdes, il va avoir du mal à faire des treks longs, il va avoir des problèmes musculaires, des problèmes articulaires, il va aussi avoir besoin de beaucoup plus d'énergie parce que son pic glycémique, il est un peu plus bas. Dès qu'il va faire un effort, la masse musculaire ne sera pas assez développée. Donc il va chercher dans l'énergie tout de suite, dans l'énergie centrale. Il va lui falloir des pics glycémiques beaucoup plus réguliers et intenses pour pouvoir suivre la machine. Être fin, c'est bien parce qu'on est léger, donc on a moins à porter par rapport à son corps. Mais si on n'a pas la musculature qui va avec, ça va être compliqué de suivre. Donc je conseille à ceux qui sont tout fins de s'entraîner régulièrement. Après, on va parler de l'entraînement à la fin. Je vais vous montrer un petit peu les exercices qu'on peut faire. Mais en gros, il faut vous donner un petit peu un coup de fouet, un coup de pied au cul et vous mettre un petit peu au sport pour vous maintenir une certaine forme physique et que ça tienne dans le temps. Ensuite, on va parler de mes préférés, les mecs super musclés et qui n'ont peur de rien et qui se disent moi, je te soulève un arbre, donc il n'y a pas de problème. Les gens qui sont très très musclés ont une alimentation démesurée. De toute façon, vous le savez, hein, à partir du moment où on fait de la musculation, on va à la salle, on va dire 3, 4 fois, 5 fois par semaine, et qu'on soulève des grosses charges, qu'on fait du développé couché à 150 kg et des tractions à 90 kg. On a besoin d'une alimentation riche en protéines, riche en fibres, riche en lipides et en glucides. Et c'est un repas complet, quotidien, qu'il faut se mettre en place. Vous voyez un petit peu The Rock, il se fait 5 repas par jour à presque 6000 calories. Ces gens-là, qui ont une masse musculaire très développée, le muscle, ça bouffe. Le muscle, ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc il va falloir en donner de la protéine. Donc là par contre, si vous n'avez pas les apports qu'il vous faut dans la forêt, vous êtes mort aussi. Donc vous avez beau avoir les meilleurs muscles du monde, ça va tenir 2-3 jours. Et au bout d'un moment, votre corps va vous réclamer énormément de calories, énormément d'énergie. Donc vous allez être HS comme la personne qui est en surpoids. Donc faire énormément d'exercices pour se préparer à la survie, c'est contre-productif. Et nous allons parler du type de morphologie, de musculature idéale pour la forêt, pour la nature et surtout pour la survie. Pour survivre dans la nature, déjà, ne vous préparez pas forcément super intensément avant. Moi, par exemple, je fais des exercices réguliers. Je fais à peu près 100 pompes par jour et une fois par semaine, je fais en plus les biceps pour me maintenir en forme et je cours un petit peu, je vais dans la forêt, je grimpe aux arbres. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo du début, les exercices que vous avez vus, c'est des exercices que je fais de temps en temps quand je vais en forêt. Je fais une fois par semaine en forêt. Bon, là, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué. Mais en général, je vais une fois par semaine en forêt et je fais quelques petits exercices quand j'en ai envie. Sinon, je vais aussi de temps en temps à la salle de sport, au moins une fois par semaine, pour me maintenir en forme sur la généralité de mon corps. Donc, faut pas oublier de faire les jambes, faut pas oublier de faire les bras, faut pas oublier de faire le dos. Mais les jambes, c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans la nature parce que c'est avec ça que vous allez faire beaucoup de kilomètres et potentiellement retrouver la civilisation. Donc, un corps parfait pour la survie, c'est une personne qui est taillée assez fin, assez léger, mais avec une musculature quand même un tout petit peu développée. Pas besoin d'avoir des bras de 40 cm, pas besoin d'avoir des cuisses de la taille d'un tronc d'arbre, pas besoin d'avoir des pectoraux aussi énormes que les mecs qui n'arrivent plus à avoir leur kikou pour aller pisser. L'essentiel, c'est d'avoir une musculature qui est prête, qui est forgée pour faire de l'endurance du long terme. Si jamais vous êtes dans la nature et que vous avez besoin de vous entretenir physiquement, vous pouvez faire une fois par semaine des exercices, comme je vous l'ai montré dans la vidéo du début, des petites tractions, des pompes, des squats. Dans la nature, vous avez tout ce qu'il faut pour vous muscler. Vous avez tous les appareils de musculation qu'il faut pour vous muscler. Pas besoin d'aller dans une salle de sport. Dans la nature, vous avez des branches partout, des troncs partout, du sol. Si vous n'avez pas de sol, c'est que vous êtes dans les airs. Donc ne vous posez pas la question si dans la nature on peut se maintenir en forme. Bien sûr qu'on peut se maintenir en forme et bien sûr qu'on peut tenir un physique prévu à la survie. Ce que je vous conseille fortement, c'est de faire des longues distances, de faire des treks, des randonnées régulièrement, une à deux fois par mois, histoire que votre métabolisme se mette en place et que vous soyez habitué à endurer les épreuves longues et intenses. Donc petit entraînement que je vous conseille pour l'instant chez vous. Les salles sont fermées, donc on ne peut pas aller à la salle de sport. Donc faites-le chez vous. Moi, j'ai acheté un petit accessoire qui est vachement utile, mine de rien. C'est les petites planches que vous voyez en ce moment, vous en voyez partout sur Internet, sur des petites boutiques privées ou des revendeurs. Vous pouvez vraiment en trouver partout. Donc cette petite planche,
avec beaucoup de prises différentes. Donc c'est fait pour faire les pompes avec des prises bien spécifiques. Donc là vous avez la ligne pectorale, là vous allez faire un petit peu plus en dessous, là sur le côté. Si vous le mettez comme ça, vous allez travailler beaucoup les triceps et un petit peu le cœur. Faites beaucoup plus serré, comme ça vous allez travailler énormément le cœur. Vous pouvez les faire comme ça aussi. Alors bien sûr, c'est avec les deux. Hein. Donc là, vous allez travailler le centre des pectoraux. Et si vous travaillez un petit peu plus large, vous allez faire l'ouverture de la cage et travailler sur la longueur de la ligne pectorale. Donc ça, c'est vraiment un objet complet pour faire les pectoraux et les triceps. Franchement, les triceps, ils prennent vraiment bien avec ça. Vous pouvez faire ça tous les jours. Moi, j'en fais 100 pompes par jour avec ça. Et franchement, je me sens vraiment plus solide au niveau pectoraux et au niveau biceps et au niveau triceps. Ensuite, prenez-vous une petite barre curl Z. Donc c'est ça. Vous prenez une petite barre comme ça, avec 20 kg dessus. Ça suffit largement. Pas besoin de charger. Hein. Vous faites 100 développés biceps en supination et vous allez voir que les biceps ils vont prendre tarif. Et pour ce qui est des squats, bah vous prenez la barre curl contre vous et vous descendez sur les jambes, vous faites des squats comme ça. Ça vous travaille les quadriceps et les ischios. Si vous voulez vous maintenir en forme pour éventuellement la nature. Une fois que les salles réouvriront, bien sûr, vous pourrez refaire vos exercices à la salle de sport. Mais franchement, c'est pas nécessaire, vous avez tout dans la nature. Vous prenez un tronc, vous faites des biceps, vous prenez une branche, vous faites les tractions, vous mettez par terre, vous mettez les pieds sur un tronc, vous faites les pompes pour augmenter un petit peu la charge. Vous grimpez aux arbres, grimpez régulièrement aux arbres, ça vous fait travailler toute la musculature, tous les muscles stabilisateurs. Dans la nature, quand vous passez une branche, une autre, vous tirez là-bas, vous tirez en haut, vous mettez votre genou là, vous mettez en opposition l'autre pied pour monter à l'arbre. Tout ça, ça travaille tous les muscles du corps, tous les muscles stabilisateurs et ça vous renforce physiquement. Peu importe les gabarits que vous avez, gros, fin, moyen, musclé, vous pouvez survivre dans la nature, mais si vous voulez vraiment être prêt à faire quelque chose d'intense, de long, il va falloir que vous travailliez quelque chose de régulier, pas trop intense, mais de quoi vous forger une musculature, un corps qui survivra à toute épreuve. Sans pour autant vous donner une trop grosse charge que vous devrez alimenter avec beaucoup de protéines, beaucoup de glucides. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques éléments. N'hésitez pas à faire du sport dans la forêt, je vous jure, c'est super agréable, ça vous donne un état de bien-être, vous vous ressourcez. En plus là, quand j'ai fait la vidéo, il faisait 2 degrés, donc il faisait super froid. Le fait de faire des efforts physiques, de faire de la musculation et de me donner à fond, et ça m'a donné envie de soulever des montagnes. N'hésitez pas à aller dans la forêt, faire des exercices, vous verrez, c'est vraiment enrichissant. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bientôt, des nouvelles vidéos un petit peu extérieures, parce que là, avec le confinement et tout le bordel qu'il y a autour, c'est compliqué, je suis désolé. Je pense que les vraies vidéos reprendront bien l'année prochaine, à un cours régulier, 2 à 3 fois par mois. Donc ce sera beaucoup plus actif. Allez, faites attention à vous et à la prochaine. Ciao !